Si, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Il y a un étudiant qui se prend un flashball dans la tête. Et un petit vieux aussi. Ils veulent renforcer les effectifs. Le maintien de l'ordre, c'est la matière policière la plus politique. Et plus particulièrement à Paris, où on revendique la nécessité de ne pas entrer en contact avec les manifestants et même avec les casseurs. Parce que même, si on se contente du mot manifestant... C'est les flics déguisés en casseurs, on y était. Avec eux, mais surtout avec les casseurs. C'est ce qu'on a vu les autres samedis. Et en fait, la doctrine d'emploi, elle consiste à saturer l'air de gaz. Ils laissent piller les casseurs, ils ne sont pas avec des gilets jaunes, ils poursuivent que les gilets jaunes. Et lui, là, il dit rien, là, il reste comme un mollusque, le gars. Ouais, mais c'est censé être le porte-parole des Gilets jaunes. Tu vois, pas de hausse des prochaines taxes, mais ils enlèvent pas les taxes qui existent déjà. Hein. Et ça concerne que la circulation. Ils ont raté combien d'épisodes, là, la série? Fixer le cap et le tenir est une nécessité pour gouverner la France. Mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Même état d'esprit chez tous les gilets jaunes interrogés depuis le début de la journée sur BFM, depuis les annonces du Premier ministre, c'est un bon avis, mais c'est très loin d'être suffisant. Nous ne souhaitons pas un moratoire, nous souhaitons l'annulation de la hausse des taxes sur le carburant. Ne nous laissons pas enfermer dans cette didactique. BFMVC. Soyons bien clairs. Un moratoire, soit c'est un camouflet politique déguisé, ou soit c'est se moquer des Français et remettre la taxe en place d'ici 6 mois. Il faut des actes forts de la part du gouvernement de suite et immédiatement pour que l'on puisse enfin rentrer dans une concertation. Donc c'est l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants que nous attendons. Et de manière plus générale, nous attendons des états généraux de la fiscalité. À l'Assemblée cet après-midi, l'ambiance était semblable à celle des semaines précédentes. En effet, l'opposition reste sur sa position très critique. L'opposition reste sur sa position. Nous demandons également des gestes qui soient faits sur les salaires, parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu sur le pouvoir d'achat. Mais ils veulent tous que les gens votent pour eux, c'est tout. Il y a les européennes bientôt, compagnie, c'est tout. C'est tout, ils essaient de vous acheter, de nous la mettre à l'envers. Bon, allez, on lâche pas. Hein. Je pourrais pas être là samedi, mais big up à ceux qui seront. One love. BFM VC, là. Bouffe-merde de TV, comme certains diraient. Voilà, quoi. Eux, c'est du blabla qu'ils vous racontent. Faut pas les écouter. Voilà. Et ils sont en train de dire que voilà, c'était des casseurs et qu'il y avait une manif tranquille sur les Champs-Élysées et tout, alors que c'est faux. Champs-Élysées, il n'y a pas eu accès. Il y avait des keufs dedans. On y était. One love.